Et bon, bon bout de temps. Et son type qui forme tout. Je ne comprends pas, monsieur. Mais je nous même qui sommes dans la diaspora, je c'est une raison pour que nous préparions davantage. Il faut nous comprendre. Dans quel niveau que nous avec les femmes qui ont fait politique en Haïti et les gars corrompus, nous un problème avec les Haïtiens qui est l'amour pour Haïti, haïtien, qui est haïtien ou américain haïtien-canadien, haïtien-français, qui est l'amour pour Haïti, qui a envie de rentrer dans la politique de Haïti. Est-ce que nous ne sommes pas toujours ouais, Ils mettent une balise sur toute forme pour ne pas rentrer. Oui, c'est parce que tout simplement, ils sentent une volonté manifeste pour qu'ils viennent faire des bagailles réelles en Haïti. Les eh gens de Mounissa, ils n'ont pas besoin yo dans les affaires politiques en Haïti. Est-ce que nous pas toujours eh? des gros palto, gros babines, gros collègues, gros ventes Quand on sorti dans la diaspora, qui ça a fait Il y a le Premier ministre en Haïti. Mais maintenant, est-ce que c'est gens qui pour me critiquer Non. Moi-même, je ne pas critiquer Je ne suis pas contre Garikoni. Je ne dis ça très bien. Pas ouais ça ou là, pour tout agir contre lui. Mais elle cherche côté la sortie et pour apprendre exactement dans qui sont comme peuple. Moi-même, Garri Koni ça va intéresser même dans le rêve. Je ne pas ni Mais sauf que ça qui est important pour nous, son preuve à clair qui montrait que, depuis un homme ou, ou pas travaillant en faveur d'Haïti, alors pas en faveur d'Haïti et en faveur des Haïtiens, c'est même comme meilleur profil qui ne déranger les oligarques corrompus et la classe politique traditionnelle haïtienne. Jodi, c'est 29 mai 2024. Nous, en direct, nous sommes avec vous sur la plateforme YouTube, Maman Peba, la plateforme Pépotéan, la plateforme qui est la plateforme YouTube Info Bertoua. Nous, avec Zaméon, ok, ça ne vit pas où nest pas petit paysan Est-ce que c'est Gary Koni qui est criminel là Pour moi, non. Gary n'est pas intéressé même dans le rêve. Mais Gariconi lui montrer à clair et que la classe politique traditionnelle haïtienne depuis on n'a pas pensé avec douleur, misère, calamité, souffrance peuple haïtien, c'est ou même comme profil qui est capable de venir diriger pays ça. Maintenant tout le monde dit que Gariconi c'est jouet blanc. Mes amis. Si dit nous si que Gary dit non, n'est pas blanc. Qu'on est franchement... Je ne vais pas venir là pour me parler... Non... Je ne vais ba... pas venir parler. Pour ça je ne vais pas venir là... Gariconi... Nous faisons le cas Monsieur c'est proche... Il y a un ancien président américain... Ah oui... C'est si proche... Et c'est une raison qui cause... Gariconi... En 2011 sur ma télé... C'était sollicitation... C'était... de bagages comme ça... Mais je dis nous ça très bien... Ce n'est pas ça qui est intéressant pour moi toujours. Ça qui est intéressant pour moi, c'est les monde qui sont, soi-disant leader politique là, avec journaliste traditionnel là, qui font qu'on est que leader politique là lui-même, il a qu'il en faveur pays pays. Qui côté, qui leur, qui bon. Je vais nous, ça très bien. Il y une raison qui cause une position qui est claire. Dans ce qui est pour we, avec ingérence, gros pays dans les affaires politiques internes pays d'Haïti, nous avons comprends pas qui est clair. Nous disons que critiquer le pays ne pas rien pour moi, parce qu'elles n'ont pas porté résultats pour moi. Ce qui a porté résultat résultats pour moi, c'est le côté visé, qui est démantèlement total capital, dégapissement total capital, la classe politique traditionnelle haïtienne, qui se voit exécutant, ou bien qui a exécuté tout plan toute manœuvre qui ont détruit Haïti. Moi, je pat, te partagé tout ça ensemble avec nous. Le secrétaire d'État américain qui est M. Anthony Blinken, je dit dis y vous avez dit pendant le processus qui est carré comme ça. Je fais un tweet pour le dire. Se C'est le seul peuple haïtien qui est capable. Et puis là, le plus loin, oui. C'est le seul peuple haïtien qui t'a dû déterminer propre avenir. Pour l'avancer, il dit personne, l'autre monde, pas t'a dû faire. Il n'a parlé en ta, en ta, en ta. Mais cette déclaration, il y a un truc, que, yon, yon, yon diplomate, chevronné, yon madre politique qui est Anthony Blenken fait. N'a va comprendre, pas compris, il toujours. Monsieur dit Clement, mais nous tous qui là, les États-Unis, comme, à Claude Patner, nous sommes capables d'aider. Nous sommes capables d'aider. dit jusqu'à la preuve du contraire. Abgen des Blancs, oui, il existe. Gen de blanc, qui toujours dans le pour faire pression, pour imposer. Choix qui n'a avantage. Mais je vais ça très bien. Les oligarques corrompus qui en Haïti, tellement fait l'argent avec facilité et en quantité, ils gen l'argent pour influencer toute qualité de décision qu'ils prennent en Haïti. Et je vais dire ça, je dis, soutenons-nous pour mettre ou dans notre de lumière. Bon, avancer. Les oligarques corrompus n'ont pas jamais perdu. Puis qu'on coupe les oligarques qui ont pris jusqu'à maintenant, la bretel, sou piel, sou Moïse, le pas à caper sous pied, c'est assassinat crapuleux qui fait sous président Jovenel Moïse, que vous ne pensez après l'assassinat du président Sarah, et que vous tapez en difficulté, j'ai en difficulté. Sans que la justice haïtienne ne peut mettre mandat vous pour arrêter, sans que la police nationale d'Haïti ne cherche. chercher. Sans que qui ne le monter à venir chez Est-ce que vous parle de yon? Oui, vous parle de yon, Parce que nous-mêmes, dans les médias en ligne, nous disons que le jour où nous sommes pour ne pas parler de, de dossier assassinat Moïse, de Moïse, il faut que nous tous disparaissions dans le monde là. Ça veut dire que nous disparaissons catégoriquement pour pas exister même. Parce que nous n'avons pas le droit d'assassiner nos présidents. Dans les affaires politiques, tout le monde connaissait son jet d'intérêt. Mais en Haïti, quand il s'agit intérêts, c'est intérêt personnel, n'est pas intérêt collectif, non? C'est intérêt de chaque vagabond, chaque volet. Mais je ma dis que, l'on a fait une bataille politique contre un gouvernement, ou en Haïti, c'est une manifestation, fait quand c'est y a manifestation capable, de à travers les élections, je n'ai compromis entre nous pour nous jeter le gouvernement. Ça. Nous ne pouvons pas faire, nous décider pour nous rentrer dans le champ du président de la République. Pour nous réveiller, pour nous, nous foutre 12 balles. Nous foutre 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur. Et puis nous prenons masse nous encore. Nous foutre craser zol en poudre. Nous démolir, nous décapiter, nous, nous, nous dépaloter. Et puis nous pensons que moi-même, comme être humain, comme jeune garçon haïtien, comme petit paysan, nous pensons que nous allons cautionner ça. Nous pensons que nous tolérer Nous pensons que nous vivre avec ça. Nous pensons que nous venir des micro ça, Devant la caméra, ça pour me camper. Pour me faire semblant comme quoi que le pays m'a bien marché après l'assassinat le président. Sous qui base

ou pas peur que nous on dans l'histoire que ça va dans l'histoire paysanne à jamais assassinat un chef d'état en fonction qui côté en de la Kaili. mon chaim pas bon menti ou bien assez de graines dans le Boudou et mon pas pour dans ma avo et tout nèg tout nèg qui pas bien mettez mettez-vous ensemble pour un seul projet qui c'est assassinat président Joseph Moïse. comment men rater comme si moins comme nèg d'ailleurs si comme petit paysan m'va camper m'accepter tous les jeux de le ça yo même dans le rêve ils ont changé ça. E nous ont fait toutes les net. Nous Ils ont fait de la merde parce qu'ils comprennent nous. Ils comment nous fonctionner. Et bien, moi, ont dit qu'ils allaient me battre avec nous. Aujourd'hui, Dimitri va à Miami. Il est dans dans l'antenne Miami. Il sous l'école, toujours dans Floride. Mathélie, dans Miami. Ok nous connaissons là. Ils sont seuls... E pou yo mote komando gang yo, paske menm jow fe la iti ya, mote gang galil, mote kat pa kat, mote gang tese la, vin touye moun, mote rezo gang nou na Etasun etou, pou nou mache touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Di mi di vò kon mote rezo kidnap ou, nan mayami Florida pou al touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Ke mate li mote rezo kidnap el tou, pou al touye haisyen, kap kritike nou kom vole. Kom se aksyon nou sa, kom se pratik nou sa debi lontan. Man si volo kode nou ye. Man teoris kode nou ye. Ok ?

et même pas capable Dimitri t'inviter moi ma vraiment même pas capable présent j'ai trois 3 heures de temps qui est obligatoire pour que me me en côté reven moi mon 3 heures de temps pour me bailler en côté faut me eh ben dans le ça m'oblige à sous qui comme moi pour que et 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 t'attendez de s'entendre t'attendez dans petit casse même pas qu'à monter même te saluer non encore une fois ma priorité position claire avant que moi rentre en d'un gros bout de émission émission ça. Moi-même, personnellement, j'étais attaché avec l'idéologie commandant Guy Philippe, là. J'étais attaché avec l'idée révolution pour libération pays d'Haïti 2024, là. Il y pile progression qui fait, progrès qui fait. Nous progresser en pile. Nous avancer peut-être ou même au résultat concret qu'on parle, ouais, parce que naturellement, on a supposé, work dans pays d'Haïti Effectivement. Mais je dis qu'on que dans la bataille contre un système qui est établi depuis plus de 200 ans, qui pousse racines, qui pousse les cones, l'EOFIN Jean-Claude Duvalier sous pouvoir ouvrir l'allée en 1946. Il a établi qu'on directement. Quand il dit que le pape Jambe Gémondé bien dans tête pays, le pape Jambe Gémondé qui passe avec le peuple, qui a la popularité du peuple, ils ont fait un coup d'état en 1991. Ils dit que le pape quittait sous pouvoir parce qu'il avait trop de légitimité. Nous allons fonctionner dans le coquet parce que nous allons fonctionner dans le compromis, dans la politique, à partir de maintenant. L'USA ne va pas passer avec Peuple encore parce que va ce faire est qui est pour, qui est voulu aller, qui a négocier, mais après c'est appris que nous avons été pas penser pour Peuple. C'est à partir de maintenant que le pays a commencé à dérailler complètement. Mais il a déraillé de... il Il a fait bâc complètement, mais c'est des hommes et des femmes qui ont l'oligarchie corrompue, qui ont la politique corrompue, criminelle, assassinée, qui ont fait tout le mouvement. Ça y Aristide première version c'est un plus bon président qu'on a gagné dans le pays d'Haïti. Il une douleur, il une grand goût, il une misère, il une calamité, il importance éducation, OK Il y a les de l'église, ça veut dire que gon nèg des là que peuple a bénéficier. Mais sauf que Aristide monsieur prend nos pièges. Monsieur laissez au prendre nos pièges. Des monde qui t'ai frappé monsieur politiquement à travers coup d'état.

Quelqu'un a sa quoi faire. 10 de dispose même si vous ne parlez pas la président, il faut que vous disiez que c'est le président qui C'est ça que est la à Aristide. Et là, tu as à la seconde. Il n'y a pas qu'à poser la question. Parti la première journée, il y a tout à la fois. Il n'y a pas qu'à C'était ça que tu Aristide là. OK Et bien, naturellement, je vais que Aristide, qui vient comme vagabond, comme vicieux, comme voleur, c'est Aristide qui a écrasé la d'Haïti en 1994. OK 1994, Aristide prend décision pour le débat pays le pays avec un de plus de 20 000 marines américains, américains Vous comprenez, le président Bill Clinton Bali, ok? Et dans le pays, et puis il a fait ça pour faire, et puis après ça, Haïti a effondré, a effondré, Aristide vient, voler en pile, la riche, la volent, la riche, comme si, et puis Haïti a disparu, mais je dis, mais Haïti. Et pour parler ça en Haïti ou à mourir, il n'y a pas par tous les moyens. Il n'y a pas n'importe qui j'ap Parce que le juge la, qui est habilité pour le temps de dossier, pour le préparer, le dossier assassinat, ou, pour le faire diversion. Le commissaire gouvernement a pour de l'enfant vieux constat avec le juge de paix pour faire diversion. La police a besoin d'une mesure de CPJ, ou une tu qu'on ne pour faire diversion. Tu passé si, mon mouri ou mouri mourir net. ça cause moi dit, dis, « Moi, pour me à Haïti, pour dire des gens bon est ciel-là, qu'on ne qu'il exister. » Le ciel, le Saint-Esprit, toutes les forces de la nature, justement, qu'on est que, naturellement, il y des mouns qui naturellement doivent porter aller. Suspendre, faire respirer. Suspendre, quitter, respirer. Faire suspendre, respirer. Parce que, comme si, ça a comme l'élan, il y l'espace que a avez évolué. Entourage, comme si, pas de monde de bien. Ça veut dire que, que des mondes naturellement, bon Dieu dans le ciel là, bon Dieu tout pouvoir, bon Dieu tout puissant, doivent faire commencer ce truc facident ral les font tête yo fait madame yo fout yo poison fait Zami fout yo poison fait pété fi yo fait ou vision dans la rue comme si con ça yo na fizier l'autre bon dieu doit faire un bagarre pété entre yo les coquins criminels assassin gang domestique et puis pour capable organiser là pour fout détruit youn l'autre laisse à nous même ça criminel fait criminel j'ai moi toujours dit les hommes monde de bien avari OK bien, ben bon moi dit nous pays qui ça là et Mesdames, vous qui cette tête, alors tout d'abord qui alors et saluer nous. On dit bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui vous êtes, qui vous attendez et qui vous nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi, pour que ma nous. sur la plateforme pano qui est plateforme YouTube, la plateforme Péé Pouté, plateforme qui peut pas plateforme qui a des plateforme qui croit la vérité, la plateforme qui croit dans la bataille pays, la plateforme qui croit que c'est avec l'autre qui nous entame là, la plateforme ça depuis plus de 33 mois et qui est capable de libérer le pays ça n'ego tué Madoval, pas j'en ça. ça. N'aigu tué Antoinette Duclerc, pas j'en ça. ça. N'aigu tué un pilmoun de bien dans Port-au-Prince, pas j'en ça ça. N'aigu assassiné Eric Jean-Baptiste, pas j'en ça. ça. coup tué Daniel Koukoua, président Jovenel Moïse, pas j'en ça, parce que ça y est extrêmement important. L'on m'a tué Éric Jean-Baptiste, oh monsieur le ciel, le Saint-Esprit. L'autre tue, Eric Baptiste, ou trouve un conséquent, ou trouve nationaliste, ou trou petit pays, ou patriote patriot conséquent. Et même Samy, Eric Baptiste, même nek qui te ensemble avec même mon compéri, pas kap pour dire que que cap lumière cap dans cap Parce que système depuis le le manjou, Henri-Jean-Baptiste, on va Petit tout va parce que vous assassinez au mal, ou t'apprends de payer en service. Moi, en pile côté, En pile pays, j'ai un pile bagaille, ou t'es créé un pile job, ou t'es investi dans le pays. Mais Eric, Eric, ou t'es trop droit pour négocier dans le système. Dans la négociation politique, montez pas si par là, Ariel, ne que pas confortable à vous. classe politique, ne que pas confortable à vous. Oligarque qui apprennent que vous avez plus de 500 millions de dollars américains, c'est-à-dire que vous n'êtes capable de grandir économiquement, de l'argent, de fait ou pour montrer entreprise dans le pays, on ne peut pas comprendre pas de caractère à mettre en œuvre. Eh que la vérité établie, parce que l'assassinat n'est pas clair, il n'est pas clair, il n'est pas clair. On va tourner sur ça. Et pays ça, nous ça, il quoi causez, oui, il faut causez. Alors, permettez-moi, et entendez, il faut une petite connaissance pour le monde qui ne connaît pas. Il connaît même jamais, même pas connaît pas. Je prends un temps pour entendre. Un paquet extrait, côté que le palais, tout côté. Et eh ben, je me tombe sous ça, que radio et télévision karaïti fait déplacement, allé à Bruxelles, Bruxelles, et eh bien, PM et 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 ça a là. En entendant déclaration, et eh, eh, Gary Koni, pour nous pou vraiment faire connaissance avec Mounsa, ça, que coulève sept traites, plus deux traites, fait neuf traites. Volé, corrompu, criminel, assassin, je n'en compromis c'est lui-même, c'est Garicony, il choisit. qui n'est pas Haïti depuis 2011, pas vrai? Depuis 2011, il n'est pas Haïti. 2011, 2012, il n'est pas Haïti. c'est lui-même, oui, environ 12 ans après, qui n'est pas choisi, comme premier sous qui base, sous qui prétexte, qui profil, qui critère, mais sauf que, en Haïti, on cas de qui critère tout, qui n'est pas là. En avance, Gary à l'appareil, il en avec un pile intérêt parce que nous avons des points qui sont extrêmement importants pour le faire, pas oublier l'ambassade américaine a parlé, comment a qui palais fait parler, il un pile de qui parlait. parlé vous devez toutes informations mais pour gagner, il faut que dans l'émission pendant qu'on partager, on un commentaire qui un commentaire qui dans sans sens, qui n'en filé commentaire selon l'opinion, sans so penser, quitter un là parce que c'est très intéressant, en outre Gary Namiko mon correspondant radio et télévision Poser la question ensemble avec quelques et camarades journalistes sur qui ça l'a fait là et sur qui gens l'ont vivre des situations payantes et, et jeudi. Donc nous invitons à suivre le moment ça nous a passé avec l'ancien premier ministre Gary Dans de développement, qui, qui <coughs> soit fait là. Effectivement, c'est dans deux cadres. D'abord, on est continué à le président Sherlif, qui c'est président à en appui, et Union africaine nommée président d'un président au comité spécial de dix présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement, pour définir une position africaine commune sous question agenda post-2015. Et l'encadre de ça, il vient à lui-même, donc moi, je viens accompagner. Je suis venu tout. L'encadre de SDS, UNSCSN, qui sont structures que le secrétaire général a établies et qui sont dirigées par euh, Jeffrey Sachs et Earth Institute de Colombia, pour nous aider tout. L'encadre de définition, ça n'a pas les l'agenda post-2015. nan pou ap le tout moun ke an l'an 2000, pe yo te an tan yo son ajenda ke yo te ele les objektif du millenèr. Objektif du millenèr yo ap ekspire en 2015, e jodi a gwen e for internasyonal pou ke le moun an ti an tan yo sou kikad, ki kad ki pou al remplase objektif du millenèr. Non ki nouvels objektif, ni nouvels objektif ke le moun pou al fikse, pou al bay tet li, e se un pti pe diskusyon sa yo ke Union OPN a fokus la a jodi. An 2000, nou te gen 8 gros objektif. Te gen de objektif de reduksyon de mortalite maternel, de skolarizasyon universel, te gen tout de objektif sur euh, le partenariat, te gen de objektif par exemple sou SIDA. Te euh, gen un seri de objektif men ki te pluto liye a des afer de povreté. E yon nan gran chanjman kap gen lan prochen kad la, se ke ap von fokus tou fwa sa sou de kreasyon de rikches, sou kreasyon d'emploi, sou kwasans. Parce que, une leçon que nous avons au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté, le niveau qu'on a réduit, si on pas un niveau de croissance si on pas une création d'emplois. De c'est pour ça d'ailleurs que les pays africains ont Antonio, et à un en ensemble pour une position commune. Et la position commune, ça, a essentiellement, à axé sur quatre points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda le transfert de technologies, les infrastructures, surtout l'énergie la transformation économique qui pour est pour eux essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale la pas continuer à faite s'il n'est pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il n'est pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là, qui arrivait vraiment à ses limites. Donc c'est un ensemble de discussions ça, que nous avons là jeudi hein. pour nous essayer si d'arriver à un consensus. très différent. De ce qui a passé là, y a par rapport à ce qui s'est passé en 2000. En 2000, c'est un petit groupe qui était réuni et qui a défini un agenda et puis ensuite le monde a adopté. Fois ça, euh, les Nations Unies et le secrétaire général établir un agenda sous presque deux ans pour le défini ensemble pour tout le monde participer. Là. Alors, Pabli, l'interview sur le Gade là, il y a environ 11 ans, 11 l'année, D'accord? Il y a environ 11 ans, c'était normalement en 2000. Uh, 2011, plus que 11 ans même n'est pas 13 ans uh, les hein? n'est pas 13 ans c'est ça Il n'est pas plus alors plus que 10 ans on le comme ça plus que 10 ans en définition cadre qui définir défini partenariat global en matière de développement durable agenda c'était nations unies Nous avons presque demandé qui ça l'europe en fait qui ça l'europe à faire la question d'autant que discours pas forcément même si on se sur l'Europe, moi j'ai l'impression qu'il a parlé de l'agenda après 2015 ans, il y a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens, secrétaires général, abordent des questions qui permettent que les situations soient faites comme ça? Une question très intéressante. Nations Unies, li ont une série d'instruments, un processus pour être capable de définir l'agenda post-2015 ans. Et ils créent, ça a un Open Working Group, un groupe de travail qui, au moment où on parle, a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, états membres yon pou al vini, yon pou al voté sou agenda sa d'ici euh, la fin 2015. Mais en tout temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, vle assuré yon que yon yo mèm tout yon ka influencé pour ces suites globales sa. Et c'est l'en cas de sa que l'Union européenne, ni mèm en tant qu'entité, vle, et c'est pour ça yon sort son très bon document là d'ailleurs, A Distant Life for All, que m'encourage yon à regarder, kote yon mèm yon bèye vision yon de ki sak pou inclou lan yon agenda pose 2015. Donc, si tu, si tu veux, c'est un effort kombiné de toutes structures pour influencer le document final. Là. Mais il n'y a pas de doute que le document final, ça, c'est les États membres, dont Haïti, au niveau du siège des Nations Unies, qui éventuellement pour acheter ensemble, qui pourra le voter, qui pourra le définir, qui saque gain l'agenda. Et il y a des différences assez marquées comme tu as dit, et attention nous, Lè, par ekzampou, pran Bolakay nou, latino-amèyken yo, yo gen de langaj ben spesifik yo vlewe. Yo vlewe, par ekzampou, e, e, kontrol sou produksyon e konsomasyon. Paske yo kwek yo yon anpik yo mounas ki gen lan devlopan durab, se le kesyon zavironmantan. So, yo pral gen, se ke a patir de 2030, yo pral gen de, mili, de centen de milyon de moun ki gwen ekonomi, ki gwen potansyal d'achat plus eleve. Donk moun sa evidamman, yo pral konsome enerji, yo pral manje vyan, yo pral manje, yo pral konsom... konsomasyon, yo pral konsomasyon, yo pral konsomasyon, yo pral konsomasyon, yo pral E ou mouman aktuel, goun etude ki montre ou, ke ou nivou aktuel de konsomasyon nou, nap konsome preske l'ekivalant de 3 mond. Donk, tout kestyon, se koman eske nap ka fe pou nou augmenter liches chak individu, chak individu sa yo donk pou al bezwen konsome plus, e koman ap fè konsome plus san yo pa goun efè deliter, goun efè negatif sou environman. Donk, se diskusyon sa yo ka fèt la akounyer, pou nou liye a la fwa pos 2015 ki se agenda kap remplase les objektif du mille d'air, men tou pos Rio plus 20, pos un ap chanje ou Brazil, nan Rio plus 20, te kon paket diskusyon sou sa yo le developman durabl se 3 pilye, e se tou le 2 mouvment sa yo kap konsilye la akounia pou nan arrivan ou agenda final. Europe la, loin nou, Belgique, loin jeuner european de developman an pale de Haiti. Ki, par exemple, importan sa Haiti genyen pou suiv jeuner european de developman nan ki san sou panse Diskusyon kap fèt pandan 2 jou sa yo, e kapab gen influence ou biye kapab implike et Haiti? La poukou influence kapital e de plusieurs manier. La premiyon chose se ke diskusyon se yo kap fèt ou nivou mondial pou al defini koman parteneryo komporteyo. Le mte gen objektif du mileneryo par ekzamp, note gen 8 objektif du mileneryo, l'edukasyon, la sante, le Haiti fè program de devlopman ni, baye yo yo ak parteneryo di, ah, mba wè la sante la, mba wè l'edukasyon la, mba 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 Alors m'a rappelé nous que mon qu'a parlé à ces gari Koni, mon que et coulève cette traite-là plus des traite et dit que c'est eux qui choisissent, comme alors si c'est ancien premier ministre Matelli il va traité c'est même groupe nex yo qui était courir d'elle non même groupe nex ça qui était de qui était pété courir d'elle dit tout qu'il était de d'elle mais c'est même eux même encore qui fait choix d'elle en 2024

je ne sais pas mal à tout, je ne sais pas y mal de vidéo. Je clair, ou c'est un visage clair qui montre que les Haïtiens qui remettent Haïti dans diaspora, ce n'est pas Mais c'est les qui au service de au service-là, c'est eux que je pense qu'ils comme profil qui capable dirigeants dans pays d'Haïti ou nous avons pour travailler. D'ailleurs, il dit di la clé. Nous avons un job qui est extrêmement important au niveau des Nations Unies. Ben, pour capable de démissionner, il faut prendre prenne une décision. Alors, il faut qu'il fasse nommer le premier ministre d'Haïti d'abord. Et puis après, vous faut qu'il nomination dans mon tout bagarre qui est sorti. Et puis, à partir de maintenant, vous faut démissionner et prendre direction du pays d'Haïti. Mais comment le pays a fonctionné

mais ça m'a dit qui est important, c'est net n'est pas bon. Et pas moins pour ne pas bon. Alors, pour moi, ce n'est pas pa bon. Mais c'est messieurs. Qui sont des, des assassins, des criminels qui sont là, peuple, pas un peuple mentor pendant toute la vie, pendant toute existence sous un politique. Pas de peuple mentor. Et puis, fait exactement ça qui est contraire. Avec ça que peuple peuple comme discours. Vous avez dit, moi-même, vous faites sauver, j'en veux leur pipito. Sauf que ça qui est important pour nous, nous même nous sommes dans le cadre révolution. Révolution pour libération du pays, d'Haïti. L'icap, pa, l'icap fait tout un couilles, mais nous, nou, leader, leader nous on décidé de prendre armes pour, pour, pren pour le tout, il vagabond pour le prendre pouvoir. Mais dès le passer dans notre façon a pas avancé là. Non, t'es ensemble que nous mettons, les faciliter nous ouais, criminels yo, n'importe qui ne veut pas le pays, ils les criminels tout, mais t'es ensemble pour constituer une véritable force pour capable essayer bloquer nous. Mais peuple ah ouel, il devant nous. Next à aucun débagaï. Il va pas jumper qu'à lui dans le pays encore. Sauf, ont décide de faire élection pour nommer moun. Et l'éclair tout, si que petit groupe blanc ou bien des green blanc, qui travaille pour des oligarques de la ou qui travaille avec des oligarques de le pays d'Aïti, si besoin de ces moun pa qui pour président, qui pour sénateur, qui pour député, magistrat, ministre, que yon font façon, tout dit que Haïti c'est tel état pour yon, que ont nommé moun yo, j'en leur oublié, leur pipito, mais nous pas besoin de faire élection. Avec ce yon a vu une parle de élection, et le peuple peut vote, il fait campagne, il dit votez Martin Moïse, et la président, comme si vous pral pouvez pas dire, pas président, qu'on fout le football et nous tous n'avons pas d'Aïti. Vous ne pouvez pas dire, votez ou L'absénateur, vous ne pouvez pas dire, on n'a pas de baille. Et ça, que vous ne pouvez pas dire de bagaille. Depuis que vous avez trop de aux États-Unis, ou trop de l'argent aux États-Unis, ou trop de au Canada, ou trop de la France, vous avez une stratégie pour le faire. Pour faire tourner sous toute décision, pour capable de prendre pour Tout le fort à l'étranger tout avoir à, à l'étranger madame ou belle petite toi à l'étranger et beau penser qu'on prend le bataille compte des cap fait politique qui a fait ingérer dans dans politique hier depuis plus de 30 années petit groupe qui supporte de l'Assemblée d'Haïti, qui travaille avec des oligarques corpien en Haïti vous là, là depuis environ 30 années yo présent activement OK vous dire que tout fait lui c'est eux même qui l'a et Vous présent et yo influent dans la politique des États-Unis la france Canada Ha, ou pas d'affaires. Moi-même, yo je okay? ne an, no me contre vous parce que je ne me pas pas contre vous. Et ce n'est pas eux qui sont Parce que même Mounsauto, ils parlent en dominicain, Mais ils ne parlent pas, j'ai fait en Haïti. Ça veut dire En a des autorités. En dominicane, ils sont dirigeants. Ils sont des patriotes comme dirigeants. Des faits que j'ai Et l'autre pays, connaît que, naturellement, qui a politique, que est au fait envers le pays, envers la Dominicaine le premier problème c'est nous-mêmes à attaquer les Haïtiens. Automatiquement, nous finissons sur le problème haïtien. Le ça n'a pas camper pour nous questionner. Ou bien pour nous dire blanc, mais ça ne veut pas, mais ça ne pas. Mais ça ne remet, mais ça ne pas. dire que le n'a pas le visage blanc pour qu'on ait dit, Au moins, pas pour me dire qu'il On avance. Fois ça sa quand Haïti a il a assuré que l'autre élément est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les dix prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer que l'élément ça a tout l'agenda global là. La. Parce que c'est ça qui va garantir que différents partenaires. Dans nos belles bagailles, nous avons parlé de après 2010. Vous voulez que après dix ans pour Haïti ait accès à Internet. c'est so, like, normal dans Dominicani, tout Dominicain ait accès à Internet. Moi-même, en Dominicanie, c'est le plus meilleur et plus bon Internet là, que je peux Internet que je peux en Dominicanie, il est plus bon que ça que je aux États-Unis. On a fait une idée. Les Etats-Unis, états-unis qui est plus bon internet là oui mais Internet va fonctionner là. que je peux avoir un paquet de en Dominicanie, il est le plus, plus bon Internet. Là. Et c'est Internet, militaire dominicain fonctionne à ce que Parce que c'est lui qui a pour gagner, pour faire des bagailles euh, euh, que vous besoin dans les médias en ligne. Surtout dans les affaires Facebook, YouTube. Ou bien c'est bon j'ai internet là. En Amérique, c'est un petit internet. OK Pour Dominique, il pas payé internet ça. Parce que c'est le pichet. Et Dominique, il a trouvé l'antien ou, il va là. Eh, mon il va payer Il va payer Gokop. Eh bien, il a eu l'idée de qu'il ait été un ça. Mais bien, ça a pu se passer 13 ans, oui. Qui a accès à internet. à l'Internet. Ou pas qu'il a accès à internet parce qu'il a un Digicel, il a CARICOM. Il n'a pas décidé pour l'Internet en pays. Dominique a dit l'Iséngé internet là. Vous pouvez pas acheter Internet pas de parce que vous les Haïtiens pas accès à Internet. Vous voulez faire payer On avance. Ils ont effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. Ce sont les premiers facteurs qui sont très importants. Mais le deuxième facteur qui est très important dans la discussion, c'est yo, ont aidé à structurer comment même on focaliser l'énergie. Comment même on mettre en place pour ces Donc Par exemple, le président même la Kali a un problème de ressources naturelles. Il a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y aura un problème énorme d'exode de capitaux, côté que qu'on euh, paquette en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, il voulait assurer yo que des éléments comme ça qui importants pour eux, incluent tout dans l'agenda global. Là. Que les pays développés acceptent, mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on pas les très souvent d'un montant qui dépassait sa pays africain recevant recevoir en assistance externe. Donc, il voulait assurer yo que élément mm -hmm. ça a incluent l'agenda tout. Donc, fort là, premièrement, pour ça l'autre vulnérabilité qui a affecté eux. Là, par exemple, il y a parlé de ça, les green d'économie verte et restrictions que ça a imposées en termes de modèle de développement. Fort faut pour assurer que l'élément <laughs> même qui ouvre qu'il a inclut l'agenda la commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Et aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressant à Haïti. C'est pour ça d'ailleurs le monde là. Le monde représenté. Qu'on de chef d'État, dont euh, le, le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, l'homme des résidents coordonnateurs, qui vit nous être au premier ministre jamaïcain, là tout. C'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne faisons pas faire partie de discussion, nous hein, avons subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti il est il il pratiquement absent. Mon activité comme ça. Alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question. Et l'objectif millénaire, là, Haïti est un rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint un objectif, huit objectifs qui étaient fixés. Dans la région, c'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pa pas fait progrès pour le faire sous l'objectif euh, du millénaire. Yot. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous dire comment un prochain cadre, mais je me que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, la santé, la, et, 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 et l'équité des gens. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. la question de éducation, Haïti, c'est un pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, en tout cas, Haïti fait progrès pile en pile la question réduction de SIDA. Donc il y a un peu de progrès quand même qui est fait, mais il y a beaucoup plus qui à faire. Mais dans le cadre de définition nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés. Aïti vle wè nan potfoy la. E an se sens, nou gen rezon, i fò ke nou prizan. Se si di, gen plizye forum kote diskusyon sa ap fè. E isi la, je di ya la, se sèlman yon nan forum yo. Donk, msü ke par ekzamp ou nivou de Nasyons Uni, New York, ou gen ambasadeur avek ekip teknik. E pèmèt mwen di sa tou, e se yo nan bagay pou diaspo aïsen nan tou profite organize li, nou wè vè zè kon e pa pose kèsyon. Pas une élection pour faire en Haïti pour que Jaspo n'a n'ait pas qu'à voter de Kazak à la présidence. S'il n'a pas qu'à consacrer n'y a pas une élection. Je te dis clair. Si, en Haïti, attendez bien, j'aime bien dire la partie de gars C'est clair. Il ne faut pas qu'on de doute sur ça. L'homme n'a pas été diaspora. Il faut qu'on ait des positions qui sont volées. Moi-même, je veux, Quelle que soit l'élection qui a en Haïti, si Jaspo Aïsen n'a pas quel que soit le côté le monde, Haïtien y est. Quelque chose passe pour le gagnant maintenant, c'est que le PAC a voté, le PAC a candidat, l'élection n'a pas besoin de se dans le pays. Là. Nous clairs sur ça. Parce que le seul moyen pour payer sa sortir, c'est avec Petit Kikideo qui, bon, qui est pour tout le monde, qui est compétent. T'as qu'on ou le Oui, mais c'est ce qui, 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 qui a assez de compétences. Mais est-ce que le PAC va pour Haïti Non. Dans ce que ça l'entrée a, dans le temps volant l'entrée a, et de façon l'entrée a, pas de résultat qu'on a poté pour payer ça, pour le ça. Il est clair. Si tu ta attends de faire le tout, ou pas fait trois jours. C'est soit autour vous même j'ai jovenel, ou bien, il faut disparaître aujourd'hui, j'ai cours de en 2011, là, parce que vous n'avez pas besoin ça. Si de ça. Vous ce parlez pas éclairé, vous ne parlez de technologie, ou de internet, de soi-même, de internet. T'as la bouche ou chape, ou tu prends de sur l'électrique que le jovenel commencer. commencé, vous dites pour un, pour deux, ou pas de carité. Il est clair, ou après vous avez dévoré, ou après vous avez un code bloqué, code bloqué, ce porte-là. Il a a là, qui est certainement a engagé dans la discussion et, à mon avis, a représenté intérêt et vision pays en cas de discussion si Si par une autre question, M. Conny, sous JEDO, en tant qu'ancien chef de gouvernement, qui aura aujourd'hui porté sur Haïti Tu sais, nous sommes fait presque 14 mois en Afrique, mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec la technologie de hein, ça me donne de nous toutes régulièrement et sur Internet et je lis régulièrement et tout, tout journal sur Internet. Donc a suivi la situation de près et avoué que très souvent je partage, je très inquiet, je suis très inquiet et est très soucieux que nous n'ayons pas perdu le peu d'acquis que nous nous, nous pour lire au cours des dernières années très inquiet tout, parce que le problèmes de fond qui c'est l'extrême pauvreté Pourquoi est vraiment aucun vérité pour ça changer le map de haïti toujours changé qu'en 1960 il y le même niveau de revenu que la république dominicaine et même niveau de revenus que le ghana je dis à pays ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'haïti donc en fait le niveau, les problèmes de fond du pays la pauvreté ne sont pas en train de s'améliorer la classe moyenne est détruite je dis à un professeur l'école pas qu'à vivre de revenus de revenu comme professeur l'école

Et monsieur n'a pas pété tout à toute bouline de monsieur. Et ça cause ma p'titou. Ou ça? Premier cancer là. Premier situation difficile non. Premier responsable. toute calamité non. L'homme avec femme qui a fait politique en de pays. Ya. Tout autant que mon sa exister existe, pape chambou Haïti, monde ka vivre, Ça va exister. sous quel que soit forme non, ou pape capable bouger avec la qualité de Ok On ne peut pas faire un et avec eux. Et il faut que c'est élimination totale, capitale, pour qu'on fasse avec qualité de monde ça. Haïti pas capable de continuer. Avec Ravet ça, avec pourritie ça, avec criminel ça. Il faut que nous fassions tout ça nous sommes capables pour que nous démantelions les coalition gang volé, vicieux, corrompu, criminels. ça, dans la politique là. C'est eux même qui ont le problème En vérité, bon c'est eux qui ont le problème là. nous ça. Ou même oligarques corrompus, criminels, assassins, etc.

n'a pas botté l'argent, n'a pas fait l'argent, et puis par la suite n'a pas viré de nous péter courir, c'est quoi la tortille, t'as son la tortille dès qu'ils viennent là. C'est pas le chef, c'est au cap chef en Haïti. C'est se, se, même gens, cette cette volt coule avec cette traitement, cette plus des traitements, c'est un c'est un coup. Kou... Et comment est et 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 comment les professeurs arrivent, ah oui, c'est un juge coup de cassation, eh, et boniface Alexandre, ok, c'est un coup professeur eh, Alexandre. C'est comme ça que c'est comme ça le bras lié. lève cette traite-là, on va résumer en Alexandre, et puis, ou même, ou, ou, et à la tortue. Ok? Ou j'ai la tortue, gros bouton ton chef, c'est vous même qui parle dans la Unies unis parce que c'est ou qui parle tout, c'est au même qui t'aille, ou qui tout, c'est vous qui plus ou moins capable avec, tout, mais naturellement, pour qui résultat zéro. Ok? Mais est-ce que Gary Koni, ou pas le fatra? Dis-moi, non. Est-ce qu'on vous marcher le marché sous Est-ce que vous Et marcher sur sous la bout de l'eau de et tout Est-ce que vous marcher le marché sous lui Goubaye kap fet oube koubaye ouprepare. Oupe se... Frèchman... Tè mi nan yon river iti yo salop tou. Me mbè a akon mè mda chef nan peyi. Ou peyi mbè da prop. Ki mbè da chef. Sò so mbè da mè 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 tè gatsou mè mache sal. Tè kou peyi tè dè. Tè kou rave tè pou yi senti nan peyi. Da, nan bè do pres. E m jòz bè. Mè pou mè pou a, mè pè tè gatsou mwen. Pou mbè kade sonate a poussi ap sal mwen. Nan mè chef. Mwen mè mè prop te vila. Vila ta prop. tout est comme qui va le faire va le faire qui va le faire et gang est toujours là insécurité gang toujours là parce que nous pas trouver gang vous okay? Nous OK n'a trouver deux trois gangs qui veut et nous <cin> sentons qu'il représentait <and> une menace pour nous. barbecue. Nous avons la capacité pour fédérer Negame, Naptouyeli. Nous avons peut-être tout Jeff Tankanara a tous tout américain. Nous avons peut-être tout évité l'homme parce que n'est le américain. Nous avons tout et l'homme sans joue parce que c'est le américain. Mais après ça, les ISO, les joueurs de Nelkasi, justement, M. Sayo a là ou même Pourquoi ne pas tout tout Un petit machin, un problème pour joindre les deux bouts. Et c'est un problème de fond, là, malheureusement. Pour moi, il Les problèmes d'environnement, en 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine, qui est B40%, parle. Et c'est des, des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, vous a des problèmes de fond qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Mwen se ke son tre mouvez aproche pou moun kwek A partir du, du palen nasyonal Ou de, 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 du bureau de la primatur Ou kapab rezout probleme Haiti Probleme lan se ke vreman pou arive kreyon klima Kote chak moun arive kontribuye Poun rezout probleme de fon Mwen se l'important tout ke pou n'explike Haiti, et Haitien Que probleme de developman yo, yo pren tan pou yo rezout E o fuy a mezu foun ka explike Populasyon me, foun ap fey Mwen koman ap avansi E foun pa fel de promes demeziri son preu, pep ki fe pep dan pil pasyans, men yfo pou eksplike le so ap fe, pou mwa fe, pou l komprene pou l patisipe. Ank lan gwo, l wap gade, par ekzamp, mte an Etiopi, ma pou toune an Etiopi le 10, wap gade mwe, progre Etiopi fe an 10 an, son pey ki vreman pou albi nou ekonomi emerjante dan le 15-20 pochen zane, l wap gade mwe Et faut que vous faites en termes de mettre en place institution, de mettre en place structure. structures. regardez pour moi, il faut qu'on fait un peu partout en Afrique, des de pays qui étaient loin derrière nous, là, Niger, côté moi il y a seulement 4 ans, comment vous faites pour même y arriver à partir du programme présidentiel, le, les troisièmes du Niger, le Niger, nous le Niger. Comment ils arrivez à mettre en place un programme cohérent pour faire pays avancer Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes que nous beaucoup vraiment prendre direction de développement et nous beaucoup bail le sens de développement que nous quoi que nous capabail le monde même j'en débat le sens en, en 1804. Da, vous Et Garé Kony ben madouba gaï et parce que des fois parmi du riz si peut-être kabab goûte graisse et public là va dit monsieur alors si a pas Mladen, m'la donne et nous sommes absients ou dit monsieur partager opinion ça tout et Garé Kony depuis où mais ça tout le monde dit Ou c'est joué blanc qui te dit ça tout le monde dit que c'est joué blanc ça veut dire que c'est blanc qui met qui voye et j'en le fait là tout le tout monde sentit que c'est blanc mais en Haïti congeur que ça tout le Et fait même là sentit que tendance dans monde qui est international là et même j'aime détrôner on haïtien que personne ne connaît et en Haïti débilité Grandi dans la diaspora et aller à l'école dans la diaspora. N'importe quel qui a décidé de faire photo dans Washington avec 3-4 personnes qui sont costumées, valises dans le dos, ou bien tout qui est sécurité de côté, il fait photo avec eux, et puis il a regardé la campagne, il a photo ça, il dit, moi c'est haïtien, nous nous rencontre dans la maison blanche, euh, avec des représentants du président Biden, le président Nopat Gitawol, l'intégré ben dans Well, tout ça nous partageons ces débats de pays d'Haïti, nous expliquons d'Haïti. Et puis nous à tout radio et télévision dans la coupe d'Haïti. Toujours dans les traditionnels les abgaitan, mais il faut que ça il de saclage pour élément ça. La prête est en ligne pour le riche là, parce que faut que on ce qu'il y il faut pour tout bon. Mais utiliser ça seulement. Même si de il a utiliser a fait le chef, comme peuple. Ok, il fait le chef, comme peuple. Son lot bagay E sa mta bdi Garikoni Si misye E te, te menm janvek Mat pa eksept Padame Eveline Louis E Nagessima Amou O moun ki Patriot Takou Medefrancisco E takou E Madame Ariana mabjolan, E tout m, fami zami platform nan depi Boston Pasteur yo E Pasteur Franckler e. e ki de, de Patriot takou Pasteur Malory Bien, si gari connait était comme ça gari connait a privé dans premier ministre OK et puis il fait un démantèlement total de la classe politique traditionnelle haïtienne mais sans qu'on pas avec avec physiquement ou bien directement c'est à travers l'action qu'on a poser au niveau gouvernement parce que pas oublier ministre finance Finances, ou faut exiger c'est pour mettre pour les besoins de bloquer l'argent pour débloquer l'argent et pour ça a fait ou dans le dans kafou j'ai dit que Central ça, ce n'est pas l'agent Jovenel, c'est pas l'agent Martin Moïse, c'est pas l'agent Famille Jovenel, mais c'est comme que Jovenel Moïse prêtait comme chef d'État dans mes pays de Taïwan, sous le l'État, c'est Papaïs et CKPL, pour acheter Central ça, qui est Central Général Électrique, qui pourrait allumer par le à 18 heures de courant par jour, qui pourrait passer par 24 heures de courant par jour. Ou d'apparaître dans le cafou, d'apparaître dans le cafou, supportez-nous, nous pourrons allumer Central ça pour nous faire le ou t'as crasé classe politique la net, oui. Avec tout patron, oui. Ou débarqué ce phénomène Kabaïsien. Ou dit que la centrale sali fini tout pote yo la là. Vous pouvez monter ou lime pour vous séconiser toutes villes là, tout pote électrique, tout va tout court toutes les villes, toutes les gens. Ou ville Kabaïtienne. 24 heures sur 24. Ou alors centrale électrique, dans la liberté département nord-est. Ou dit que ça, c'est pas l'agent Jovenel. Ce n'est pas l'agent maman Jovenel, mais c'est volonté, monsieur de gagner pour le pays. Nous ne pouvons pas quitter le ka Nous des nous fait. Si vous avez ça, yo. Même numéro de téléphone, c'est 561, 52 42, 47. Ça y'a, de pouvoir décider de faire. En vérité, mon Dieu, c'est le seul monde qui a dit, monsieur, quest là? Oui. Oh, de ces jeunes là Oh, ou quand dit, mais il faut que nous mettions une commission de vérité sous pied pour que nous enquêtions, pour que nous des juges sérieux qui mènent l'enquête sur le dossier assassinat de Moïse. C'est que mon tapier, Gary Pas de monde qui pris mon passé. Oui, Garson. Pas de monde qui pris mon passé, C'est que mon pied. On faut pas dire monsieur, toujours. Il semble... Franchement, sauf si tu as coquin, c'est si coquin, même dame d'audaceux. Il n'a pas prendre ba, de baille comme ça. Mais, des fois, quand il ne faut pas payer, c'est prendre le même projet que je viens de commencer, prendre l'argent de l'État pour le faire, comme continuer. Continuer. Pas venir faire l'autre bagaille. Il faut qu'il où Vous venez de la diaspora. Vous venez de la diaspora. monsieur, vous n'avez pas de éliminer vos locaux, tout éliminer la classe policière, netto connaît. Vous avez tout, nouvelle tête de traité. diaspora est en une entrée. Oui, monsieur. Bon, monsieur, il y a une possibilité pour que Jaspoïen s'enlève dans les affaires politiques pays. Gariconi. Moi-même, c'est le premier monde qui vous dit, je ne suis pas le premier monde qui m'a dit, est-ce que vous ne supporter Gariconi Et tu m'as demandé pour qu'on fasse une interview publique. Pour nous parler public dans l'émission. Vous m'as demandé de faire un job montré que vous pouvez mettre une commission sous pied. Pour nous enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Ou tu montré que vous ne peux pas mettre un phénomène capable ou aplime centrale électrique Cafoulan, ou aplime centrale électrique Jérémy Grandance ou a ou a prometté ou a retravail sous saint pour nous gagne pile pied bois pour reboiser paysan oh Gary Konni c'est que moi tu as bien raison c'est que moi tu as c'est que sans mis on quitte monsieur parler toujours pour nous on qui est ce y a. c'est ce qui bon problème là mm -hmm. a, a quelque <laughs> part quand même <laughs> tu sais le problème là c'est que en, cette incompréhension cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que le changement absolu du palais national de la primature, le changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément dans la société, il saute dans l'unité. Ça veut dire que le secteur privé à jouer un rôle. Il faut ait suffisamment de confiance dans l'État pour jouer un rôle. faut secteur social a joué rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le Parlement jouer joué donc rôle. Il faut que son un effort collectif. Pas qu'il y ait un d'en haut et puis subitement on va tout le bas et Je crois que ça, c'est un premier incompréhension. Deuxième, hein, c'est que nous croyons que le problème n'est pas seulement le problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale a bien part de responsabilité, l'incapacité de nous pour bon avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité, pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Yo fè de pomès ke yo pa kèmbe nesesèrman, yo, yo, yo pou angajman ki pa te kouyèran du tout, yo pa te pèmèt gouvernement et état ici en prenne direksyon, rekonstruksyon, et pou mwen nou pa vreman benefisye de opportunité k te kriye, mèm apre trembleman de terre. Donc, son konvejans de faktor, mèm surtout, surtout, lèman vreman de peyi kap avansè kounè, mèm Liberia, kote msou te fè 14 mwa, bon, eleman esensyèl, sè ke sè vreman un efor de tout la kominote de vouloar rezoud lè probleme. e k vreman tout moun met ansanm pou yo apote peti kontribusyon par yo e le merite apote a tout l moun par un goup donk pa kon kompetisyon atle diferant goup pou yo ka di ki eski rezout problem vreman son yon fòr konsert donk mwen kwen kreson danyen pwèm ap di sou sanman se k lèz important mwen se ke lò ap gade di fikil tarik si fòt tout sektor yo wè mette tèt yo an e kesyon fòt tout sektor yo ente wòje tèt yo fòt tout sektor yo mande tèt yo ki sa yo wòl fèt diferanman apoti de 2014 2014 se lè 210èm aniversèl de notre indépendance, c'est le quatrième anniversaire du tremblement de terre. On commence à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, de nouveau 1804, avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question ça, me crois pour tout le secteur en 2014. Qui ça va changer le comportement Parce que définitivement, ça me tape avant, il pas nécessairement abouti. Docteur Koune, je pense tant qu'ancien premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement. E notamman, ou te non-gouvernement, kote prezident la republik lan, ki toujou an fanksyon, administrasyon toujou an fanksyon, ta prone investisman nan plas aide ou devlopman. E panse pi fwa moun da akor joudian ke aide ou devlopman, se pa li menm kap menen ver le devlopman. Me ha iti juste man goun dilem, paske l'oblige kontinue a beneficye de, de l'aide ou devlopman. Menan, ki meye strategi ou panse gouvernemental li genyen ? Entre l'aide au développement, en fait, maintenant parler avec le recul puisque vous êtes dans les affaires, des affaires publiques, je dis ou, ou en dehors, ou fait expérience d'autres pays, ou à suivre expérience qu'a parlé, et qui meilleur choix que vous de fait entre l'aide au développement et l'investissement, qui t'a d'avenir aujourd'hui C'est une question très importante. Moi, personnellement, quoi que c'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a pas avancé, je te parle de l'Éthiopie tu le HACA Fond pour énorme côté que Diaspora éthiopienne, a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat en tant que partenaire. Et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, mon gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour les 10 communautés internationales, le premier bail m'a fait, c'est que je ne suis pas deuxième bail m'a fait, c'est que ce que vous mais m'aider, je Pas autre chose. En 2004, j'ai été en Éthiopie, mon gouvernement oui. éthiopien dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur Prenko Boa, il le faire. Donc il y a un moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un que je que nous avons fait et nous devons faire. Men nan la dezyenm chou, se ke tu a rizon. Haiti goun paket potensyel pou l tapap developpete. Nou pa men mantre lan kesyon wesous naturel, mwen men tout donen ke mwen sou sa, fem kwe ke nou goun riches nan sou sol nou ki ankon ineksploate e ki kreyon potensyel. Dezyenm eleman nou gen, se kwe de plus de 4 milyon da Haitien ki viv ta l etranje ki transfer 2 milyar de dolar. Si nou kreye les instrument aproprye, nou gwo mwayen la vreman pou nan mobilize yon kapital enorme. Ape di ke Aisyen ka di, ou liye man met ti kob mwen la bank la prapotem 1% semen za a, map metel nan proje d'infrastructure ki karakotem 6-7%. Non, potensiyel de kapital, de diaspora, fonde ba neglijen. Et toasyemman, gen des opportunite d'investissement tout ki ekstraordinier, men pou sa, fò kreye les sirkonstans ki pou rasyoun. Se investissement son ak de fwalye. Lon ek met kob li deyon, lon partener etranger louvri la karte du moun, ki gen 10 milyon dolar pou l'investi, se pou mwen dete tout pou ki salap Timbo al mette 10 milyon dola sa. Donk fò balon rezon. E rezon fò balil byen, sa pe di fò rezoud problem de kat daso. Fò rezoud problem de justis. Se lè nèk la vin nan peyo li kon konflik, fò l konen ke li kapab gen justis nan kat konflik ya, e ke l ka fè justis sa konfyes. Donk ou kon pa ket problem pou rezoud pou rasyure investiseur. Et si on arrive à faire moins ça, on va arriver effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Là, je vais regarder par exemple au Mexique, il y a un programme, ou non qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain, hein, il met 3 dollars pour chaque grain de dollar. On une diaspora mexicaine, on la caille pour les petits euh, pour travaux d'infrastructure communale. On a un projet comme ça que nous-mêmes, nous travaillons avec Banque mondiale, côté que on a capitalisé sur la diaspora pour chaque grain de l'eau, nous, gouvernement matchli pour n'assurer assurer que dans 10 départements, dans toutes section sections communales, on des efforts qu'a fait. Donc ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a des moyens pour mobiliser capital massif pour faire des et des investissements qui rentables, par exemple en énergie. Donc on a des moyens pour créer un environnement, pour générer capital. capital, pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. gens ça fait un peu partout. Donc, il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça tout le pays reconnaître qu'il faut rejoindre, quoi. Faut, il faut que la communauté internationale ait un engagement, que le défait de 0,7% dans le cadre de MDE. Mais après, il faut que tout le monde ait atteint 0,7% de revenus pour investi en matière de développement. Deuxième point encore, fort, et c'est pour ça que FORA, ça est très intéressant, distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire y a des pays au Irak, qui recevront qui une partie énorme d'assistance externe, alors eux mêmes ils ont des ressources naturelles. Donc ils basé sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui, pour nous, gagner des pays émergents, toujours dit à caprenter dans le milieu et l'assistance. Par exemple, le Brésil. Par exemple, la Russie, je dis, hein. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comment partenariat a en fait. D'ailleurs, nous ne voulons pas l'assistance, on a parlé de partenariat. E paralèlman a sa, nou fèt pou lakay nou, kreye environman pou ke moun interese, mobilize kapital ke nou gen en diaspora, mobilize kapital ke, ke nou gen intern en Haiti, pwoske gen de reform ke fòr fè, ki kapab pèmèt pou mobilize kapital. Mwen mou mkwèk wè par exemple, politik fiskal nou jòdia, pa pèmèt pou mobilize eksedan de kapital ko gen en Haiti mèm pou fè investisman. Ton kwen ekip bagay ke mkwèk wò ka fè, entelijamman, ki pou fè kòp sa avide. Fòr de tout konsidélasyon ke ou fè la, Est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelli, la la fixe, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030, sont utopie Pourquoi bon effort collectif et cohérent Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, se pe probab ke wap realize objektif ou wap opere kankou ou loun wap, wap baye pou kontou. Devlopman se ankon, un fwa, se pon baye ke palen nasyonal loun pe yi fe. Donk, mwen kwe ke l'anproch la fwa yo elanjili, fwa yo rekonet implikasyon e importans implikasyon tout sektoryo, fwa yo baye tout sektoryo opotunite pou yo kontribuyen, intere pou yo kontribuyen, e ayek sa pwoswe ki janm toujou di li baye yon fatalite Haitienne. Fwa te oseman, pa gen yon problem ko Gran Haiti pou lekel pa deja gen de solusyon eprouve. Mais si on l'école, je dis à son bail nous comprenons comment on fait. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, la santé que nous gagnons, accès à l'eau potable, tout ça c'est des problèmes que normalement on peut résoudre sous 27 500 km avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble, autour d'un programme cohérent, côté qu'on baisse les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien ait la direction qu'il faut et puis ensuite qui permettent de avancer comme ça se fait un peu partout. Resanman la avan mdou sa, mdap gade mwen E avanse yon pe yon kou Malawi ap fe nan certain domen Mdouvek ke se ekstraordiner Por se ke yon arive o nivou sektoriyel Met parteneryon ansam, yon kapap fe des evistisman kouerant E wè vreman, mdap gade mwen Yon pe yon kou l'Ethiopi ki yon milyon de kilometre kare Preske 80 milyon de moun ki de yon gro problem de mortalite maternel Yon fe des avanse ekstraordiner lan preske tout indikator santer Se ki yon wè morkab Men sa, e kouvenman e, e, Etiopiante fe, yo fon distribusyon de 35.000 drabay yo komunote. Yo fe lawek kob yo, pwosye komunote internasyonan jisteman pat vle peye saleryo. E an e mwen de 5 an, yo gen de avanse tangible an matyere de sante. Don mwen mwen kwek kwe yo gen de ba rekonsal ke nou ka fe. E avek sa, nou ka anfen ba epopulasyon Haitien, Haitien nan, soulajman ke laptan nan. Mais monsieur finalement m'a dit nous vraiment pas t'attendre moi là aujourd'hui hein c'est pas deux contente content rien quelques jours suis sita vraiment avec et, des interlocuteurs haïtiens en parler de Haïti et vraiment je souhaite nous profiter de deux jours ça si m'ka nous faire des discussions avec des gens très intéressants par exemple dit alors, si a dit tout à l'heure que Simka parlait avec le président Issoufou c'est très intéressant le président du Niger mon qui vit une crise qui gère crise là de manière assez originale je crois il y a l'autre interlocuteur là tout donc, premier ministre jamaïcain n'klas nous sommes capables de faire avec lui parce que nous croyons que lui-même, tout, il a un processus de changement jamais qui est assez intéressant pour nous. Et donc, il y a plusieurs autres partenaires du secteur privé qui sont très intéressants, que c'est sommes capables chance de discuter avec eux. Et puis, en profite au maximum de ces deux jours, on peut essayer d'apprendre un pays et puis on espère que nous même tout, nous cas jouer petit partition par nous. Merci beaucoup vraiment d'être venu. Merci un peu, le premier ministre Garikoné. Voilà, justement, merci un peu avec l'équipe Radio-Télévision à l'époque. Voilà, je ne connais pas les journalistes, remercie Mais naturellement, son, son interview qui date plus de 10 ok Et nous nous joignons parce que nous sommes à la recherche des de data qui est extrêmement importantes sur Gary Coney. Et pour nous garder, si par les monsieur, il fait, il nous data si passer monsieur, et rencontre monsieur, déclaration monsieur. Par exemple, il me le monsieur a pris un investissement dans le Parlement, et énoncé politique générale, monsieur, au niveau du Sénat de la République, tout ça. Il dit tout ça, il m'a dit que tout peut-être dans des autres émissions. Mais naturellement, il m'a dit que Gary connaît moins peut-être. et façon, monsieur rentrer, rentré, monsieur n'est pas capable de faire résultat. Et avec beaucoup de gens qui sont pas capables de faire résultat. Mais il faut que nous puissions comprendre. Et Matéli, n'importe qui est capable de dire, Matéli élu et élu démocratiquement, mais que bien que c'est venu mettre dans place pour que l'État dans l'élection en deuxième et et dans le deuxième tour avec Juste et je capable pardon Madame Aniga, parce que a été retiré juste Judith Célestin, et bien, Matéli était arrivé élu quand même, parce que le peuple a été massivement. Et puis, il vient choisir Garikoni, Koni, Koni, nous tous nous connaissons, de façon que nous d'elle il veut bagaré qu'on y mais c'est même négus encore tâche chercher bagaré qu'on ça c'est dit qui est duke, clairement eh, ou t'es vomi ba l'autre coup le faut valer s'y vole et eh, faut valer bagaré qu'on y mais même pareil pour moi parler de vous, pas où ils me connaissent mais c'est s'y vole qu'en bah yo s'y pas sérieux pas muniyo c'est dehors pour nous parler parce que c'est vous qui pas bon monde c'est vous qui pas sérieux et c'est vous pour nous continuer de peupler à faire les machettes là non yo parce que c'est vous qui pas muniyo c'est vous qui criminel là c'est vous, naturellement qui assassine maintenant et moi dis nous clairement et que Garicconi Gue Debagay parce que ils peut être et capoter e, oui il va être capable kap, capable de porter mais pour Monsieur de Potel il va qu'on s'abat sur un truc là voyez moi y en plus de ça tout si Monsieur Tavelif on va aller pour payer hein, Monsieur a pété les plombs Monsieur a dépassé chaque classe politique la net sans que il va batailler physiquement avec eux il va batailler directement avec eux indirectement vous c'est des actions

Haïti a besoin de monde qui va venir nous Aïe Haïti a besoin de nouvelles nouvelles têtes. Des gens qui veulent faire des choses pour eux. Des gens qui sont créés dans qui sont compétents dans qui connaissent le monde dans qui ont parlé avec quel que soit mon international national dans le coup, mais qui ont une volonté pour Haïti changer. Qui ont envie de changer le pays et qui ont posé des actions concrètes pour Haïti changer. Gardez-vous. C'est capable de ça. Mais, il n'y a pas de ban. Il n'y a pas de ban. On avance, gagnez l'ambassadeur et États-Unis dans la Coupe d'Haïti, qui fait une déclaration sous assassinat d'Américains dans le pays d'Haïti. Monsieur intervenu dans Radio et Télémétropole avec Théodore Negsudès-Lakamino. Et naturellement, il y a un monsieur dit qui est extrêmement important pour nous attendre. Je voudrais vous demander, en ce et si vous ça dans l'intervention, on américain dans le pays d'Haïti. Nous attendons avec un pile intérêt, tant vous plaît. Et nous attendons. D'abord, euh, permettez que je vous présente euh, mes sympathies suite à ce qui s'est passé euh, la semaine euh, dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains euh, en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard euh, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que, soit de gouvernement, soit de la société civile, il y avait plusieurs expressions de condolence du peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédiqué leur vie pour les haïtiens, pour aider les haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Euh, je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mon gang, gang Yo allait, ou bien au, au, en prison, ou bien dans pays sans chapeau. Mm. Euh... Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide D'abord, euh, permettez que je vous présente euh, mes sympathies suite à ce qui s'est passé euh, la semaine euh, dernière. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains euh, en, en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard euh, vendredi dernier oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que, soit du gouvernement, soit de sociétés société civile, il y avait plusieurs expressions de condolences du peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les haïtiens, pour aider les haïtiens. C'est triste que c'est les membres de la gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent. Pour les Haïtiens. Euh, je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Et mon gagnant allait ou bien en au, au, prison ou bien dans pays sans chapeau. Mm. Très bien. Et il dit que il recevait des garanties, du bon, côté gouvernement. Et pays, la Kali, que nous présentons dans le pays d'Haïti, et gouvernement américain, et que une garantie et que la famille, la victime ou bien la victime, a justice, ce si soit que gang, il en en ou bien il sont en prison. OK C'est bon de dire, beau créole, c'est si soit aller dans prison, ou bien en bataille. Mais nous ne sommes pas prison dans le en pays. Il y a et nous pas besoin de prison. Nous pas besoin de prison. Et chaque ça prend, si nous ne pouvons pas avoir la bataille, nous mettons le peuple à l'aise. Le peuple à l'aise, le peuple à même, que nous puissions placer le peuple à l'aise en pile. Et n'importe ça nous prend Si nous perdons tout lui l'aise, logique, le peuple à Et peuple à lui même, nous commençons à dire le peuple cannibale, Le peuple là tout fait mouvement cannibale net. Après, vous ne pouvons pas dire le cannibale encore, parce que vous ne pas faire mouvement cannibale encore. Parce que vous ne pas faire assassin criminel pour exécuter. Vous comprenez? Nous continuons à étendre l'ambassadeur américain. C'est très intéressant. peuple au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Euh, oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Euh, nous sommes engagés maintenant avec euh, les familles pour le retour des, des restes humains de, de ces deux jeunes. Je ne sais pas, pour nous souligner, M. Fenn nous rappelle ça. Alors, M. Fenn nous rappelle ça. Pardon. Et je dit je te fais notre sortie, je te dit clairement, pour que toute ressortissante américaine, je te créé une condition même pour toute ressortissante américain de quitter le pays d'Haïti. Je te fais pile fort, vraiment. Ça veut dire que c'est ça qui est Pour que ça soit rétabli même. Et je te garanti que tu ne pas faire rien. N'oubliez pas, tu mosaïque. Ou pa yon koule ou ka, ou ka serne. Ganyo son melange de tout kalite koule pente. Ki menm sou el ble devan ou, menm sou al fon ni, ou ka jen noa, ou ka jen rouge, ou ka jen krem, ou ka jen gri, ou ka jen maron, ou ka jen joun, ba diwa koule. yon koule. Yo pa gen etadam. Ne kap kidnap, ne kap truyemoun, pa gen etadam. Ok? Pari yon gen garanti sou gang. Ok? C'est la seule garantie que vous avez, l'autre. Il n'est pas dans une zone exécuter, il une si est un accord où vous exécutez, où une garantie qui est capable de fonctionner. Si c'est le contact de la gang, mon pas Mbabou, est-ce que c'est le contact gang gain, bon, que vous avez? C'est des questions que poser posez. Cette euh, couple, jeune couple de missionnaires, euh, avec l'assistance même de, des entreprises haïtiennes, et du gouvernement haïtien, mais c'est le fait que pour le moment, il n'y a pas de moyens. Du côté du gouvernement, ni du gouvernement américain, d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission d'appui multidis... euh, de, de sécurité. C'est mm. essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de, de situation. Mm. Euh, il y a l'ambassadeur. Euh... Alors, le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide au couple qui était en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors, notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Euh, il n'y avait pas de, de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Mm -hmm. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de, de Port-au-Prince. Même euh, la force euh, qui s'appelle FAST n'avait bon. pas. La non. capacité euh, qu'il fallait. Hors, pour intervenir. hors de l'ambassade, non. Il y a des, des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de, de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, même et si, on, et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir. Euh... Nous n'avons pas de capacité. Oh, OK. Et. Euh... Maintenant, parlons euh, autre chose. Nous allons parler euh, de cette note de l'ambassade américaine euh, relative euh, au choix d'un premier ministre. Ouais. Vous avez dit euh, dans la note, Monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité euh, technique. Ça doit soit mm -hmm. se faire dans toute transparence. Et quand vous vous, vous dites dans toujours dans la note, que vous êtes impatient. Qu'est-ce que vous voulez dire Première fois, de noter, alors j'ai commencé disons, en disant, en saluant le gouvernement de transition, euh, le conseil de transition présidentielle pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un premier ministre. Après, nous avons la, la priorité de choisir le chef de... Du comité électoral euh, provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans, sans décision. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec sept membres, ça veut dire que les décisions, y prennent de temps. Euh, nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum cinq membres de sept. De et ça prend de, de temps. Mais je pense que pour avancer, pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une première ministre. L'essentiel, je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 euh, candidates. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et un en, en résumé assez technique pour, pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Euh, nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des euh, gens qui veulent influer les mmh. décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Mmh. Même si la communauté internationale euh, a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mmh. mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur euh, cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, euh, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mmh. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des, des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui soit neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Euh, ce n'est pas facile. Mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec sept têtes, tous les sept têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe trois têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui ne pas simple. Mais je pense que c'est un modèle, un modèle bien en, en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum en consensus, en grand consensus, sur toutes les grandes questions euh, qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. Euh, c'est vraiment, c'est pour le système de, de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, mmh. qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, Monsieur l'Ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y, y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de, de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de, de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours, toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer de, de mm -hmm. en décision, en solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez d'Ariel Henry, l'ancien Premier oui, ministre. Oui. Mais vous savez, Monsieur l'Ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine. Il a dû rebourser chemin et finalement, ouais. il est en, en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes, vous, vous êtes impliqué dans. Pays. Toujours parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y, y a toujours il y a un certain manque d'informations de côté d'Haïtiens. Euh, même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines le Conseil présidentiel aura une porte-parole, parce que même ces jours, ce pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler, de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'il Ici, c'est une décision de conseil qu'on conseil mm -hmm. euh, et de parler avec le, la population et c'est aussi avec les forces, les, les, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici euh, 20 mois... Nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participants Et mmh. pour participer, les Issiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique euh, de la mission euh, multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors c'est... C'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça s'est fini maintenant à, à l'aéroport. Euh, nous y étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Pourquoi on remet à trois semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement du Kenya qui était ici, même pendant la visite de, de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors, avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Euh, nous espérons, et c'est prévu, que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans euh, avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et, et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux, aux fonds communes de l'ONU ou de donner des équipements, puisque euh, tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Mm. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné dans, pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Euh, il y a autre équipement, parce que le président Biden a autorisé... Les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions, l'armée nationale, aussi avec euh, le MSS. Mmh. Donc maintenant, les États-Unis euh, reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti? Bon, C'était toujours reconnu, toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance euh, des armes à la police nationale. C'est en débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui s'est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des portes. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr. Mais pour le moment, nous sommes très limités en, avec notre capacité. Il y a des autres pays. Je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, qui nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu euh, la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto. Témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir Haïti, est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ deux heures de, de, de la Floride. Pourquoi les États-Unis euh, confient cette mission à un autre pays Pourquoi est-ce que les États-Unis n'accepte pas d'envoyer des, des, des soldats, comme c'était le cas dans le passé. Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire, avec Haïti, avec le moment qu'il y avait deux fois qu'il y avait des grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec le, la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des, des difficultés en termes de notre, notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale, il parle de, de l'invasion de, de votre pays. Alors pour le président, euh, envoyer les troupes américaines, c'était de crier, pas de crier calme, mais de crier de, de plus de crise. Alors il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec notre, nos alliés dans les autres pays. Euh, dans le cas de Kenya, Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de, de crise. Euh, ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur euh, police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des autres, il y a des pays de, de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine latines qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance euh, financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres euh, grandes bailleurs de fonds que nous pouvons euh, aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que bon, le MSS c'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre euh, porte-parole de parler. Et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Mm -hmm. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU, avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de, de, de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Mmh. Autant, que des autant que des Haïtiens euh, souhaitent euh, que, les, que les Américains aident le pays à se débarrasser des, des bandits, autant qu'il qu y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin. Et ne décide pas de donner euh, autant à Haïti. Bon, dans, le cas, bon, dans le cas d'Ukraine, de, de c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors, ça, c'était vraiment en crise contre le, le système international le système des règles, le système de droit international, et ça pose un, un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est en bon, continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était trois mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que bon, Haïti, c'est proche de, des États-Unis en termes de, de pays de, de Caraïbes et Méditerranée du Sud. C'est le plus pauvre. Alors nous avons assez d'entrées, de voies. En, en, en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, de d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, de, alors depuis longtemps nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti, Mmh. Mais de, sur cette question de sécurité, c'est une combination de pays qui sont prêts aider Haïti mmh. à trouver un peu de, de paix. Après la crise, M. l'Ambassadeur, après la crise sécuritaire, mmh. est-ce Parce... que votre pays entend euh, accompagner Haïti à travers un plan, par exemple Je pense que là, c'est plus c est, c est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec les. Le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de, de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y ait en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de, de santé, de, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Euh, parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et mm -hmm. ce bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Mm -hmm. Alors, il y aura des, des programmes. Il y a déjà dans notre congrès il y a des propositions si dans notre situation budgétaire si ça peut être euh, une réalité mais au minimum avec nos ressources qui sont assez grandes c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là vous parlez d'opportunités euh, économiques pour les euh, Haïtiens. Oui. Euh, Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais au même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Mmh. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un, un jeune Haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de, de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont va, va être criminels indépendants. Et, il faut trouver des, des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. Euh, la semaine dernière, il y a des des congressistes américains qui ont introduit euh, un plan portant sur plusieurs euh, euh, milliards, de, de, milliards de, de, de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il euh, qu y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important. Il y a congressistes, alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtien. Il y a plusieurs haïtiens qui prennent les positions élues dans les gouvernements des États ou des, des communautés. Alors c'est une présence assez important. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez d'Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Euh, le fait qu'il y ait cette mission, c'est en cause d'assistance de, mm -hmm. des membres côté, de deux côtés. Mm -hmm. Est-il vrai, Monsieur l'Ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport euh, aux élections qui vont se dérouler dans votre pays pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des, des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veut pas être engagés dans un autre pays étranger alors je doute que ça sera une point sur les débats présidentiels mais le contexte et le contexte de notre préoccupation avec euh, euh, la migration euh, non officielle c'est toujours l'un des préoccupations particulièrement pour l'état de Floride mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs haïtiens de aller aux États-Unis dans les les conditions qui sont légales, qui sont euh, humaines. À, à quand la reprise des services euh, consulaires fermés? Pour le moment, pour, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Euh, généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade, hors de, de personnel de sécurité. Maintenant, nous, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité d'assistance pour les Américains, de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes de visas des immigrants. Mm. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille. Citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non-immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non-immigrants. Et pour le moment, je dois noter dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer d'amender d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas des conditions de sécurité. Et c'est mmh. là que le gouvernement haïtien, avec l'assistante MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir euh, tout de suite, M. l'ambassadeur. Ouais. Euh, Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin euh, de l'ambassade? Bon, il y a deux leaders de gangs qui sont dans la liste des FBI. Alors, il y a déjà des. Et comment vous nous expliquez qu est, euh, que ce chef de gang a reçu des, des journalistes américains oui. euh, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de, de sa résidence Comment vous nous expliquez ça Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Euh, il y avait, ces, on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ses entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, de, soit de gouvernement, de société civile, même le presse haïtien a l'option de parler de réalité, parce que nous savons que les leaders de gang ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de population. Mm -hmm. Jusque maintenant, j'ai jamais trouvé un seul haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils, ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de, de population.